Hey les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Baptiste. C'est moi. Bref, on se retrouve pour une vidéo très attendue de la chaîne qui est enfin là, qui est enfin disponible. Les rageux diront un an pour attendre, mais s'en bat les couilles. Allez, les objets pour meufs, on se retrouve pour découvrir. On explique le concept en voix off, paf. Donc le concept est simple, on aura des objets que nous ne connaissons pas du tout, comme on n'est pas du tout dans le domaine, et donc on devra savoir ce que c'est. Donc avec Baptiste, on se défie savoir qui est le meilleur dresseur et le meilleur à trouver ce que c'est. Allez, c'est parti pour la vidéo, tac. Donc c'est parti, premier objet, let's go. C'est parti. J'ai l'impression de voir un truc pour se brosser, tu vois, brosser les chevaux et tout là. Moi je vais te brosser la tête comme ça. En fait, y'a pas de pique. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas ça, Baptiste. J'ai l'impression que c'est un pommeau de douche. Déjà, partons. Tu as un manche. Tu as un manche, donc c'est pour attraper. Donc, t'en sers, soit pour chanter, soit pour. Et donc à gauche, c'est la face avant et. À droite, c'est la face arrière. J'imagine. Il y a une lime à ongles et à côté, un pommeau de douche. Faut m'expliquer. Ah, pour toi, il y a deux en un ? Non. Ok, d'accord. Je sais pas. En vrai, compliqué là. J'ai l'impression. C'est un truc pour se gratter, je sais pas. Que la partie à gauche, c'est adhésif. Tu vois, que ça pourrait coller un petit peu. Ok, vas-y, j'ai ma réponse. Tu dirais quoi, Baptiste ? On n'a pas 36 heures. Je vais dire que c'est un truc pour brosser, mais pas brosser. Un truc plus pour. Enlever des poils un peu chiant, un peu comme les poils de chien ou des trucs comme ça, tu vois, genre un truc qui pourrait coller. Non, pour moi c'est un truc de massage. En mode, tu vois, t'as un mal de le cou, tu prends le pommeau de douche, tu fais ta, tu fais ça, ça craque et ça te fait du bien. Voilà. Un truc qui te fait des massages et tout. Est-ce que t'es prêt, Baptiste, au reveal? Je suis prêt. Oh, ça m'aurait puni. Une râpe à pied. Ah ouais, tu fais du fromage. Tu fais un peu plus de fromage en fait. Ah, c'est sale. Bah ok, le râpe à pied, bon, je savais même pas que ça existait. Allez, objet suivant, let's go. Eh, mais je reconnais ça, c'est ce que je mets sur mes tupperwares pour que ça ferme bien. Mais je vois pas ce que c'est en fait. Des lentilles, j'ai ça dans les yeux les gars. Des lentilles, de cette taille. Bah tu sais pas la taille que ouais, ça. Ouais, c'est ça le problème, c'est pas la taille qui compte. C'est comment qui est beau, tu vois. Alors, qu'est-ce que je dirais? Et j'ai aucune idée. J'ai l'impression que ça serait un truc aussi pour le massage. Je sais pas. Ou c'est un porte-savon. Je sais pas ce que ça peut être. Si c'est un porte-savon, c'est bien mieux. Ouais, moi je dis c'est une sorte de tupperware où tu mets tes trucs de maquillage. Parce que t'as que le couvercle quoi. Bah j'ai que le couvercle. Parce que vas-y, il se rétracte et tout, t'as capté. Ou non, mais attends, mais c'est un truc qui se pose. Alors, à mon avis. Ça, je dis un porte-savon, mais ça paraît. À mon avis, c'est pour genre t'as tes trucs, tu mets ça comme la cloche que tu mets au micro-ondes pour pas que ça garde la chaleur et tout. Et bah, c'est la même chose là avec ton maquillage. Je suis pas serein là. Je suis pas serein, donc. Moi je dis c'est un porte-savon. Un porte-savon. Oh là là là, un porte-savon, ouais. Attention, reveal. Bon prix. Body blender en silicone. Attends, ah, c'est pour mettre ton fond de teint dessus. Du coup, c'est une cuillère genre. Mais c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Mais autant le mettre sur son nez et un clown avec. Genre du coup, au lieu de faire pshh dans ta main et faire ça, elles font pshh dans le truc en silicone et après elles font ça. Voilà toc. Bon allez, prochain objet. Oh. C'est une pipe. Waouh. Il y a de l'eau à l'intérieur. Tu mets ça sur tes yeux et ça te repose. Est-ce que c'est ouvert sur la droite? Moi j'ai l'impression que c'est un petit peu ouvert mais pas trop du tout. C'est ouvert ou à gauche ou à droite? Non, ah ok, non. À gauche, tu sais, dans le petit tronc, ça t'a ouvert un petit peu. Ah, pas trop. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu mets des petites bulles de. Enfin, Samy, tu mets un peu parce de savon dedans. C'est de l'eau, c'est de l'eau. C'est pas si. Si tu mets du savon un peu dedans, hop, tu mets ça dans ton bain et. C'est un thermomètre que tu te mets dans le cul pour savoir ta température. C'est un truc pour t'enlever les poils de nez. Bah non. Comment tu fais? Je sais pas. Bah je dirais c'est genre, en fait tu prends le bout là, le bout il est un peu, c'est ouvert un peu et tu mets un peu comme dans des yeux, tu vois, des pipettes, c'est une pipette. Et genre ça le met sur ton visage et après tu prends ta truc et tu frottes et c'est sorte de, je sais pas, démaquillant, eau, savon, vanille, ouais, fraise, voilà toi tu vois. Okay. Et alors toi? Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vas-y, je dis c'est un truc genre tu prends comme ça et tu mets sur tes yeux, un peu comme des concombres. Oh voilà, wow. Pour te dilater. Waouh, c'est très bizarre. Ouais, mais. C'est très bizarre. Eh. C'est parti, reveal. Massage visage refroidissement. Ça ressemble pas à ça. C'est quoi cette merde? Ça ressemble pas du tout. Ah,
Bon bah, 0. C'est le premier à 1 point. Mais gros. On va avoir 0 en fait, on va avoir tous les deux dégages. C'est le premier qui marque un point qui a gagné. Bah, c'est du rouge à lèvres. Non, attends. Ah non. La couleur, c'est pour un... C'est pour enlever, c'est un anti-cerne. Ouais, c'est un anti-cerne. Putain, on a dit la même chose. Si c'est ça, on passe. On se suce. Quoi? Ok. Un, deux. T'allais dire quoi? Quoi? Suce. Ça passe. Pff, c'est même pas ça. Stick à bronzer. Tu vas à la plage. Ah ouais, tu vas à la plage. Oh, waouh. Attends, on avait vu un truc comme ça non, dans la première vidéo. Ça ressemblait pas trop, je crois. Quand je te disais, c'était un bec de... C'était des trucs pour mettre des... Non. C'est pour être sur ton fond là. Non. Mec, on dirait une tub. Oui. J'ai l'impression que par rapport à la main à côté, c'est assez opposant, tu vois. Ouais. C'est gros. Un truc pour mettre sur les seins. C'est un vibromasseur. Vibromasseur. Donc moi je dis c'est un vibromasseur. Toi tu dis quoi? Moi je dis c'est un truc pour les seins. C'est bizarre. Ouais, c'est un truc. Alors, reveal. Putain, mais j'ai dit c'est pour massage. Bon, pas pour les seins, mais. J'ai dit que c'est pour massage. Boule de massage. Non mais mec, on va voir que la meuf là, elle s'est dit tiens, je vais prendre un god Michi pour masser la peau. Non, 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 menteuse, sacrilège. Allez. C'est pour se coiffer les cils. Ou les sourcils. Les cils ou les sourcils. Pour coiffer les sourcils. Les sourcils. Mais t'as bien vu qu'il y avait deux ouais, trucs. Ouais, mais l'autre, ça c'est tu fais comme ça pour les coiffer les sourcils. Et après, c'est si tu veux changer de lame. Non mais c'est pas possible que ça soit pour les cils. Tu sais pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop grand. C'est beaucoup trop grand, mec. C'est une brosse 2 en 1. Ouais, 2 en 1. 2 en 1 pour les cheveux et à côté, c'est. Bonne question. Je suis encore en train de réfléchir. Tu dis, c'est pour les cheveux et l'autre, c'est pour se masser le visage un peu en mode. Ouh, ouh. Allez, reveal parce que j'ai encore une idée. Brosse. Ok, mais t'as avisé parce que. La truc a été énorme. C'est bon. Mais non, mais c'est même pas la même, oui, regarde. Oui, mais oui, bon, c'est. Oui, mais c'est de la triche. Bon, vas-y. Alors. Un point. Vas-y. Let's go. Ah ouais, mais... C'est bon, t'arrêtes la vidéo. Allez, prochain objet. Oh, mais si, c'est un sèche-cheveux. C'est un sèche-cheveux, mais le truc dedans... C'est un sèche-cheveux pour faire des boucles. Allez, hop. Allez. Non, tu t'as pas dit pour les boucles. Allez. Oui, mais juste un sèche-cheveux. Voilà, allez, hop. 1-1. Allez. T'as pas dit boucleur. T'as pas dit boucleur. Je vais jouer à ça. Je vais tacler pour pas que tu vois l'image. C'est les bracelets dans les fêtes là, ça fait de la couleur. Ou ça fait de la couleur, ouais, tu la secoues et tout, tu la secoues. C'est une capote pour femme. Dis ça. Je vais pas vous aider avec les étrange, c'est bizarre. Moi je dis rien, je trouve ça bizarre. Donc t'as donné c'est ta réponse. C'est l'anneau de Jésus. Et moi ma réponse, c'est pas grand chose. Mec, c'est vraiment un anneau. C'est un anneau contraceptif. Moi j'ai dit c'est un anneau que tu te mets autour du cou quand tu fais du sexe et tout pour que le mec il tire au lieu que ça soit des laisses et tout. Bon allez, reveal. Anneau. Oh le bâtard. Tu le savais? Putain, mais je savais pas du tout. Et du... Mais mec, qu'est-ce que ça... Mais comment? Dis-moi comment. Ils te mettent un anneau. Oui bah du coup ta tombe elle veut pas rentrer. C'est profond dans ça. Il y a un trou dans l'anneau, il y a un trou. Qu'est-ce que t'en sais? On sait pas. Peut-être bah, il y a un truc qu'on voit pas. Il y a un trou là. Il y a un trou. Il y a un trou. C'est transparent. Putain, vas-y. Bon, allez, prochain objet. Non. Des masques. Sur les yeux, c'est un masque au charbon. C'est un masque au charbon. C'est un masque au charbon. C'est un masque pour dormir. C'est un masque. Oui, bah, en fait, c'est un masque. C'est un masque que tu mets pour avoir une belle peau, quoi. En gros, bon, reveal. Ah non. Pas du tout, mais pas du tout. C'est pareil en soi. Patch point noir. Comme si nous on était superficiels, nous. Non, nous y a pas ça chez nous. C'est quoi cette merde? La meuf, y a un putain de truc sur son gros nez là. Et ouais, ça marche pas du tout. Enfin, non, ça marche pas. Pas du tout. Allez, prochain objet. Ah bah non, bah c'est le dernier. Du coup, j'ai gagné. T'as gagné, ça, ouais. Deux, j'ai gagné deux vidéos. Le mec est trop nul. Bon, il a gagné. Après, voilà, tu vois, c'est des connaissances que je n'ai pas encore acquéries au fil de mon apprentissage. On espère que cette petite vidéo vous aura plu et que notre duo vous kiffez. Troisième épisode à 20 likes. Si vous kiffez ce concept, il y aura un vrai gage parce que là. Il y aura un vrai gage parce que là, on fait comme on peut. Mais du coup, en soi, je peux faire un petit gage. Si je... Non. Genre, tu te rases la tête. Un petit gueule. Oh le bâtard. Bon, abonnez-vous à la chaîne YouTube. On est bientôt 600, les amis. J'espère que quand on sortira cette vidéo, on sera déjà 600, mais je ne sais pas. À vous de gérer. Et donc, on vous aime. Et prenez soin de vous, de votre famille. Alhamdoulilah. Non, je fais comme ça.
Prenez soin de vous, on vous aime. Et puis voilà, fin de à vidéo, la à la prochaine. Fin et de pouce bleu. Et voilà. Et si vous voulez d'autres contenus, bah n'hésitez pas à proposer dans les commentaires. Puis si vous voulez voir un Baptiste qui se fait foudroyer au lit, bah mettez plein de pouces bleus. Ouais, allez. Allez. Oula, et wow. Ouais. Allez, au revoir.